Bonjour à tous, si vous nous retrouvez sur Planet Coaster News, nous sommes en direct et nous allons très bientôt découvrir le nouveau parc d'attractions qui d'ailleurs n'a toujours pas de nom. Nous devrions également découvrir ce nom de parc d'attractions dans quelques instants. Et pour cela, nous allons retrouver Patrick Bello qui est sur place devant l'entrée du parc et apparemment il y a beaucoup de monde. Et oui, tout à fait, comme vous pouvez le voir derrière moi, en effet, beaucoup de monde se masse devant l'entrée du parc. Et vous pouvez voir également le directeur qui est déjà sur l'estrade et qui est prêt à tenir un discours. Je rappelle quand même que ce parc d'attractions, pour l'instant, n'a que deux zones. Il n'est pas totalement terminé de construire et c'est pour ça qu'il propose aujourd'hui une journée découverte, une première journée d'ouverture du parc pour symboliser vraiment la première étape de cette construction. Le parc va donc rester ouvert pendant une journée entière pour le bonheur des visiteurs les plus chanceux qui auront eu le droit d'accéder au parc. D'ailleurs, on a noté la présence de quelques personnalités comme Planet Coaster Création, Yanif, Baneif, Anaïs L ou encore Ben du 07. Donc il y a plusieurs personnalités comme ça qu'on a pu croiser très succinctement. Donc voilà, c'est quand même un assez gros événement que nous sommes en train de vivre en ce moment. Merci beaucoup Patrick Bello, le temps est venu de laisser place au discours du directeur du parc qui pour l'instant n'a pas de nom, donc Alban 12 va tout de suite faire une allocution. On l'écoute. Bienvenue à tous, vraiment bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir pour cette toute première journée d'ouverture du parc d'attractions dont vous allez découvrir le nom dans quelques instants. Cela fait un petit peu plus de 8 mois que nous avons commencé la construction de ce parc d'attractions. Nous avons notamment commencé par la zone D-Day, avec une reproduction notamment du village de Sainte-Mère-Église, en lien avec le débarquement en Normandie du 6 juin 1944. Également une petite zone mémoriale sur la Première Guerre mondiale, donc avec une attraction poilue que vous allez pouvoir découvrir. Et puis également une zone assez importante et surtout très dense et immersive sur l'Égypte antique, avec notamment une petite storyline et une petite attraction en rapport avec les archéologues et une certaine malédiction. Bon, je vous en dis pas plus, vous découvrirez tout ça pendant cette journée. En tout cas, je suis très très heureux de vous retrouver. J'attendais ça depuis très très longtemps. Sans attendre, vous allez pouvoir découvrir le nom du parc d'attractions. Je sais que vous l'attendez tous. Alors c'est parti, sans attendre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à History Trip Park, je suis très heureux de vous annoncer ce nom de parc d'attraction. Voilà, vous allez donc pouvoir pénétrer dans quelques secondes dans le parc de l'histoire. Vous allez pouvoir voyager dans le temps à travers plein d'univers différents. Vous allez à coup sûr vous retrouver immergé dans un monde merveilleux. Donc c'est parti, on ouvre le parc! Bienvenue à tous, passez une excellente journée et surtout merci beaucoup à vous! Bonjour à tous, c'est Alban 12 et on se retrouve pour ce 32e épisode. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que ça n'a pas été trop long quand même, ces 3 semaines du coup d'attente. Mais je pense que vous n'allez pas être déçus parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses hors caméra, j'ai préparé plein de choses. Et vous avez pu voir déjà notamment juste avant l'ouverture du parc avec également le nom que vous avez pu découvrir. Donc voilà, ça y est, nous sommes à History Trip Park, notre parc a enfin un nom. Donc c'est un petit peu en fait le parc du voyage de l'histoire, en gros c'est ça, il n'y a pas vraiment de traduction exacte. Mais voilà, je trouve que ça sonne bien, c'est plutôt pas mal. Et puis également je trouve qu'il y a un petit lien avec le parc de Planet Coaster Création. Donc si vous connaissez pas sa série, je vous la mets là juste en haut. Et son parc s'appelle Discovery Trip Park. Voilà, donc il y a un petit lien sympa. Et je trouve que c'était sympa de l'appeler comme ça le parc. Et donc c'était une petite idée qui m'avait été proposée dans les commentaires il y a de ça déjà un petit moment. Puisque ça fait un moment que vous me donnez des idées déjà de noms de parcs. Donc on tourne environ autour de 4000 visiteurs dans le parc. Mon ordinateur supporte plutôt bien quand même, hein. Mais je crois qu'en fait surtout le fait que j'ai baissé la qualité des textures a vraiment arrangé la qualité du jeu. Donc enfin la qualité, c'est façon de parler, la qualité de fluidité du jeu.
Donc ça c'est plutôt bien, mais on laissera pas bien sûr le parc tout le temps ouvert. Peut-être des fois, on pourra peut-être le faire un peu plus souvent que ce que je ne pensais, parce que c'est assez supportable quand même. Donc je voulais vous montrer également qu'il y avait des petits problèmes, notamment cette attraction-là. Au début, quand j'ai ouvert le parc, tout le monde allait là, parce qu'en fait le prix des tickets était à peu près égal aux attractions. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans cette attraction-là, j'ai mis le prix du billet à 12$, contrairement à cette attraction-là où j'ai mis à 3$. Ce sera peut-être à revoir et à réadapter exactement, mais vous pouvez voir quand même que la différence de prix est assez énorme. Mais ça permet comme ça de, je trouve, de réguler un petit peu les visiteurs et de faire aller les visiteurs un petit peu partout dans le parc. Je vois quand même que le gros problème, c'est qu'il y a encore personne qui va dans le souk, dans ce coin-là. Il n'y a pas grand monde à cette attraction-là non plus. Donc voilà, c'est un petit peu triste cet endroit-là. Je pense que ça pourrait être plus vivant quand les visiteurs pourront aller par là. Et quand également le train sera ouvert, parce que je rappelle qu'il est fermé, puisque quand même le circuit n'est pas terminé, donc il faut pas emmener les visiteurs pour qu'ils voient les travaux derrière. Maintenant, je vais vous parler de toutes les petites choses que j'ai faites pour préparer l'ouverture de ce parc. J'ai notamment fait surtout des affiches, un plan du parc que vous allez pouvoir découvrir, un logo pour le parc également. J'aurais quelque chose à vous demander, c'est si vous savez faire de la modélisation sur par exemple le logiciel Blender. Je sais pas comment ça fonctionne, moi je sais pas faire du tout. Vous savez, pour importer des outils dans le workshop avec les Team Maker Toolkit, je sais jamais le dire, par exemple comme les pots de fleurs là. Donc si vous savez faire ça pour me mettre le logo du parc sur un panneau propre qu'on puisse mettre un petit peu partout dans le parc, ça m'arrangerait bien. Donc si vous savez faire ça, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi, on verra ensemble pour savoir ce qu'il faut que je vous envoie comme lien et comme fichier. Voilà. On commence donc par la place de l'entrée où j'ai fait quelques petites affiches. Donc ici on a une affiche qui nous dit bienvenue, voilà. Donc on a également le logo, voilà, que je vous montre là tout de suite. History Trip Park, bon là il est un petit peu déformé à cause du format de l'affiche, mais en vrai il est parfaitement rond. Donc History Trip Park, voilà, un logo un petit peu en volume avec une horloge derrière, qui rappelle le temps qui passe et l'histoire du coup. Donc voilà, donc j'aime bien ce logo, c'est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, si on continue, petite affiche sur la malédiction d'Uraüs, donc l'attraction dans l'Égypte antique. Donc voilà, une petite affiche qui nous présente l'attraction. Et une autre également sur l'opération Overlord, juste là, avec l'église de Sainte-Mère-Église en fond derrière. J'aime bien le principe de ces dessins, qui est un petit peu déstructuré comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, pareil, dans les commentaires. Je voudrais avoir votre avis. Encore d'autres petites affiches sur la place de l'entrée. Ici, on a un garde avec des caméras de surveillance. Enfin, un garde, un agent de sécurité. Pour votre sécurité, des agents sont là pour vous. Et encore une autre affiche juste là. Hop. Et ici, c'est une affiche qui nous dit King Coaster et ses amis, venez les rencontrer sur la place de la maison du biscuit. Puisque je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai fait un petit point de rencontre, donc il fonctionne pas trop. Un petit point de rencontre, comme on en avait déjà parlé d'ailleurs, sur la place de King Coaster, sur la place devant la maison du biscuit. Ici, j'ai rien mis parce que je n'ai pas d'idée. Redites-moi dans les commentaires si vous avez des idées. Je vais attendre un peu encore. On va laisser mijoter tout ça. Mais on n'est pas pressé, hein, on a encore du temps. Maintenant, devant les deux stations de train du parc, j'ai mis des petits panneaux qui nous indiquent, voilà, que le train du parc, le train du temps, que j'ai appelé le train du temps, aura une ouverture prochaine. Voilà, donc tout simplement, c'est fermé. Et ensuite également à chaque palissade qui termine sur rien en fait, j'ai mis des petites affiches qui nous disent que plus tard ici zone Italie, ouverture prochaine, et là, j'ai fait la même chose pour la zone de Londres ici par exemple, où j'ai fait des petites affiches ici qui nous indiquent zone Londres, ouverture prochaine. Voilà donc le fameux point de rencontre qui est juste là. Donc avec un petit écran derrière que je réutiliserai, vous allez voir tout à l'heure, pour le mettre quelque part, vous verrez, hein, avec un petit point de rencontre ici. Bon, il n'y a pas grand monde, enfin il n'y a pas grand monde. Normalement j'ai affecté une mascotte ici, mais elle vient pas, donc voilà, je sais pas, c'est pas très grave. C'est surtout pour décorer. Et également, regardez juste à côté, on peut voir que j'ai fait des panneaux. J'en ai fait
partout dans le parc. Ça a été assez long à faire d'ailleurs. Mais il y en a ici, il y en a un petit peu partout en fait. Il y en a un petit peu là, il y en a là aussi. Et donc en fait j'ai orienté les panneaux en fonction de la direction où il faut aller pour aller voir ces lieux-là. Donc j'ai pas tout fait, j'ai pas détaillé chaque attraction à chaque fois dans chaque zone. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, une fois qu'un panneau est par exemple dans la zone D-Day, j'ai détaillé les attractions, mais j'ai pas détaillé les autres zones. Donc ici on a le royaume des pyramides, mais les attractions sont pas détaillées. Et donc c'est l'inverse, juste là, voilà, les attractions sont détaillées ici, mais ici on a indiqué Nidayland sans le détail des attractions. Maintenant on passe à la chose qui m'a pris le plus de temps à faire, c'est-à-dire le plan du parc. Je suis hyper content de celui-ci, je trouve qu'il est très réaliste par rapport à un parc d'attractions, un petit peu le côté cartoon qu'on retrouve ici, que j'ai fait sur toutes les affiches en fait. Donc on a le plan du parc ici avec tous les détails, les petits numéros qui indiquent les attractions en fonction de chaque zone. On a également les petites lettres qui indiquent les deux restaurants, donc le bazar aux épices dans le bazar, le restaurant Airborne à côté de l'attraction Opération Overlord, et le spectacle de l'ouverture, que je vous en parlerai tout à l'heure, qui se trouvera à peu près au niveau des gradins. Et puis également, regardez toutes les petites vignettes ici qu'on a avec snack, boisson, toilette, service client, distributeur, souvenir, premier secours ou encore casier. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai pris quand même beaucoup de temps à le faire. Donc je le ferai pas pour l'instant, on le refera, je le ferai pas à chaque fois, mais je le referai une fois qu'on aura des étapes de passer dans le parc. Je pense que je le referai en fait tout simplement à la fin de la construction du parc, parce que ça prend quand même pas mal de temps à faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis fan clairement de ce plan. Ici, on va installer une scène puisque nous allons fêter l'ouverture du parc avec les visiteurs ce soir. On aura un petit feu d'artifice également, voilà, pour fêter tout ça, de la musique. Et puis également, je vais installer des petits stands de nourriture ambulants devant les gradins, puisqu'il faut bien utiliser cet endroit-là, ça sert à rien, hein. On est bien d'accord que personne ne va venir là s'il n'y a rien qui les attire. Enfin, ça va surtout être pour décorer, hein, du coup. Une personne dans les commentaires m'avait dit de mettre des snacks ambulants pour habiller un petit peu cette place-là pour l'instant. Donc on va tout de suite s'attaquer aux travaux, enfin c'est pas vraiment des travaux, du coup c'est quelque chose de provisoire, mais c'est parti, on va installer la scène. Thank you.
Et voilà, j'ai terminé la construction de cette scène qui me plaît plutôt bien. C'est assez simple, ici on a des petits musiciens, ici un batteur avec des petits chanteurs ici. Donc j'espère que ça va plaire aux gens qui sont là. Bon, ils sont pas très nombreux, la majorité des personnes sont parties faire les attractions partout dans le parc. Mais il y a quelques personnes ici qui sont prêtes à s'amuser. Donc bah c'est parti sans attendre, je crois qu'ils vont parler. Ah oui, voilà, bon allez, je vous laisse avec la musique et un petit feu d'artifice, vous allez voir, et on se retrouve juste après.
Ça y est, on est le lendemain matin, la fête est finie, il va falloir dire à nos visiteurs de partir, que cette journée est terminée. Donc on va tout de suite fermer le parc et on va voir ce qui se passe quand tout le monde s'en va. Bon, pour l'instant ça fait pas beaucoup de monde, bon, on va les laisser tranquillement quitter le parc, mais en attendant on a quelques petits trucs à faire quand même. On va retourner sur le mur des abonnés. Et regardez, ici, on a quelques petites personnes, enfin quelques petites personnes. On a quand même 7 ou 8 personnes à rajouter, si je me trompe pas, on en a 10 à rajouter. Donc c'est parti, donc je remercie tout d'abord Ilian Schweitzer, je remercie également Juju Reddy, également DLP77, je te remercie, je remercie également Anaïs L, Yanis et Karim, Xeros FS, FC, pardon, excusez-moi, Graziella de Grande, Evan 1903, Foufouille, ainsi que Monde du Jeu. Donc je vous remercie tous. Bien sûr, s'il y a un petit problème dans les prononciations, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire dans les commentaires, ça me gênerait d'écorcher votre pseudo. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, on aura au final pas fait grand chose, mais quand même pour un événement assez important, j'ai fait plein de choses hors caméra, j'ai également pas trop fait de Mulan Coaster, hein, parce que ça faisait quand même 8 mois que je faisais ça sans arrêt, donc une petite pause, ce n'était pas de refus, et en tout cas on repart sur de bonnes bases, et on repart d'attaque pour un programme normalement comme d'habitude. Donc également on a fait cette petite scène là, hein, je la déplacerai bien sûr plus tard, elle restera pas tout le temps ici, c'était provisoire. Mais je la garderai, je la laisserai dans les archives, peut-être que plus tard, on pourra la réutiliser. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des petites idées pour la suite de la construction du parc, de toute façon, regardez là-bas, il y a encore plein de choses à faire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dites-moi également si cette vidéo vous a plu, si les petites surprises vous ont plu, j'aimerais bien également avoir vos retours au niveau des affiches et du plan du parc que j'ai fait, ça me permettrait de voir si vraiment à l'avenir j'aurais besoin d'en refaire d'autres, parce que je trouve moi personnellement que ça ajoute quand même pas mal de réalisme au parc. Également un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude. Et puis abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de cette série, on a encore plein de choses à faire. En attendant, je vous laisse avec quelques images du parc en activité, quand elle était encore plein avec plein de monde dans les attractions un petit peu partout. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 33. Allez, bye bye, c'était Alban 12.